Les pronoms personnels. Remplacez les mots soulignés par le pronom convenable. Parlez à mon père. Parlez lui. Ne parle pas à ma soeur. Ne lui parlez pas. Ne cherchez pas cette lettre. Ne la cherchez pas. Cherchons nos cravates. Cherchons les. N'achetez pas ces violettes. Ne les achetez pas. Achetons cette maison. Achetons là. N'allez pas chez ma tante. N'allez pas chez elle. Allons chez nos cousins. Allons chez eux. Commençons sans Paul. Commençons sans Louis. Ne finissez pas avant Jan. Ne finissez pas avant elle. Regardez cette carte postale. Regardez-la. Ne regardons pas ces femmes. Ne les regardons pas. Second question. Répondez aux questions suivantes avec le pronom Y. Votre mère est-elle à la cuisine? Oui. Elle y est. Êtes-vous dans votre chambre? Oui. J'y suis. Vos parents vont-ils à l'église aujourd'hui? Oui. Ils y vont aujourd'hui. Allez-vous à la maison? Oui. J'y vais. Vos amis sont-ils chez eux? Oui. Ils y sont. Ils y sont. Votre oncle demeure-t-il à Paris? Oui. Il y demeure. Next one. Êtes-vous allé à Paris? Oui. J'y suis. Allez. Paul est-elle allé au lycée aujourd'hui? Oui. Il y est allé aujourd'hui. Votre sœur est-elle restée à la maison? Oui. Elle y est restée. Votre oncle vient-il en Angleterre? Oui, il y vient. Pensez-vous souvent à vos leçons? Oui, j'y pense souvent. Pense-t-elle à sa famille?
Oui. Il y pense. Thank you.